La Principauté de Monaco, un des plus petits États souverains d'Europe, adossé à la montagne et baigné par la mer. Une principauté vieille de plus de 7 siècles, depuis que les Grimaldi en ont pris possession en 1297. Rayonnante aux yeux du monde aujourd'hui, à l'image de ses princes et de ses princesses. C'est un rêve, c'est un mythe. Mais aussi célèbre et entreprenante, comme son quartier mondialement connu, Monte Carlo. Monte Carlo, situé en face du Rocher Princier, qui attire chaque année plus de 220 millions d'euros sur ses tapis verts. Jouer, c'est vouloir vivre plus fort. Vous allez jouer si vous êtes pris dans un rêve, dans un monde à part. C'est un monde à part. Monte Carlo, centre des jeux, mais surtout centre d'affaires, centre des arts et de la culture, centre du monde. Pourtant, au milieu du 19e siècle, Monte Carlo n'était alors qu'un plateau recouvert d'oliviers et de citronniers, que l'on appelait le plateau des Spélugues. C'était un plateau désertique. Il n'y avait rien. Une aventure sans précédent allait bientôt s'y dérouler. Un homme d'affaires français, François Blanc, accompagné de sa jeune épouse Marie, débarquait à Monaco à la demande du prince Charles III. Et ils allaient, en moins de 20 ans, transformer ce bout de terre désolé des Spélugues en un plateau éclatant de richesse et de luxe, Monte Carlo. En 1860, la principauté de Monaco est un état enclavé, sans ressources. Et il vient d'être réduit de plus des trois quarts de sa superficie et de sa population par ses grands voisins sardes et français. Monaco fait figure d'une méchante bourgade à l'aspect médiéval, d'un millier d'habitants tout au plus, pauvres pour la plupart. C'est alors que le prince souverain Charles III et sa mère, la princesse Caroline, imaginent diverses solutions pour tenter d'arracher leur principauté à une disparition certaine. Oui, monseigneur, la princesse a raison. Les villes voisines de Nice, Menton et Cannes s'enrichissent. Chaque année davantage. Je le sais bien, Hénaud, je le vois bien. D'ailleurs, l'hiver, on ne peut même plus y circuler à cause de ces... Comment dit-on déjà ? Les Niçois les appellent les hirondelles d'hiver. Ce sont des Anglais ou des Russes, tous très fortunés, et qui adorent les bains de mer. Le thermalisme est une mode, mon cher. Même Dumas, Berlioz et Flaubert y ont pris goût. Et Villemessant en fait très grand cas dans son Figaro. Ils viennent tous profiter du climat. Alors, voyez-vous, je me dis que cette belle société doit pouvoir aussi s'y distraire. Car finalement, ils doivent bien s'ennuyer durant leur séjour, non ? Que voulez-vous dire, princesse ? On m'a dit que la ville de Nice s'est vue refuser à plusieurs reprises l'autorisation d'ouvrir un cercle de jeux. N'est-ce pas, Hénaud ? C'est exact, madame. D'ailleurs, depuis Louis-Philippe, les jeux sont interdits sur tout le territoire français. Et si je ne me trompe pas, Victor Emmanuel en aurait fait autant en Italie. La princesse Caroline était la principale conseillère de son fils. Mais elle avait elle-même un conseiller. Et un homme très avisé, un avocat parisien du nom de Maître Hénaud, homme d'affaires qui, lui, croyait beaucoup au jeu à Monte Carlo. Et c'est lui qui l'a poussé dans ce sens, et c'est elle qui, à son tour, poussé son fils. Expliquez-vous, mère, vous songez à un cercle de jeu ici, dans notre principauté ? Un casino. C'est Hénaud qui me l'a suggéré, et je trouve cette idée vraiment brillante. Hénaud rentre d'un long séjour à travers l'Europe. Il me dit qu'en Allemagne, le grand-duc Ferdinand aurait touché plus de 300 000 francs or de revenus de son casino. Et son duché aurait reçu plus de 200 000 visiteurs en un an. 200 000 visiteurs. Et notre état n'est pas plus grand que le bois de Boulogne depuis que la France nous a retirés Menton et Roquebrune. Non, vous semblez ignorer la situation. S'il vous plaît, madame. Regardez par la fenêtre et dites-moi ce que vous voyez. Quelques vieilles maisons, des barques de pêcheurs,
Des champs d'oliviers, de citronniers, quelques sentiers et chemins de rocaille. Qui voudrait venir ici ? Finalement, le prince Charles III se laissa convaincre. Et en 1860, la première ordonnance souveraine fut celle qui approuva les statuts de la Société des Bains avec la création d'un casino. Le palais fit alors appel à différents concessionnaires pour construire et gérer ce casino. Mais par manque de moyens, de vision ou d'ambition, ils feront faillite les uns après les autres. Mais bientôt va apparaître quelqu'un qui, depuis quelque temps déjà, avait jeté son œil sur la principauté. C'était François Blanc. François Blanc était un homme qui avait toujours de l'argent dans la poche. Pour le résumer, dans un mot, c'était un joueur. Pas un joueur comme tout le monde qui se met à la table de roulette, mais c'était quelqu'un qui jouait avec des gens. À Paris, son esprit entreprenant lui avait permis d'amasser une petite fortune grâce au jeu et à la bourse. Mais lorsque les jeux furent interdits en France, il chercha à poursuivre ses bonnes affaires à l'étranger. C'est alors qu'il entendit parler du petit comté de Hambourg près de Francfort, qui se trouvait en grande difficulté financière. Il fit le voyage de Paris et décida très vite d'y investir toute sa fortune en y créant un casino. Ce fut un succès, et c'est dans ce contexte que François Blanc rencontra quelques années plus tard le conseiller de la famille princière monégasque. Vous savez, mon cher maître, j'ai gagné beaucoup d'argent ici à Hambourg. Les bénéfices de ma société ont considérablement augmenté. Mais bon, je suis là des attaques du gouvernement germanique qui, sous prétexte de lois moralistes, veut absolument me prendre mon bien. François Blanc sait que probablement les jeux ne dureront pas toujours dans cet endroit sur les bords du Rhin. N'oublions pas qu'à cette époque, il n'existe pas d'Allemagne. Ce sont des duchés séparés les uns des autres. Tôt ou tard, l'unité se fera. Et elle se fera sous l'égide de la Prusse, très rigoriste. Et François Blanc sait très bien que un des premiers actes prussiens sera de supprimer les jeux. Il le sait, donc il pense à l'avenir. Et Hainaut pourra triomphalement envoyer un télégramme au prince Charles III et à la princesse Caroline, affaire conclue, Blanc a signé. Le 20 avril 1863, venant d'Allemagne à la demande de Maître Hainaut, François Blanc débarque dans le petit port de Monaco. Il est accompagné de sa jeune épouse Marie, de 30 ans sa cadette, à qui il a offert le voyage en cadeau d'anniversaire. Marie Blanc, la fille d'un cordonnier de Hambourg, dont François a été le Pygmalion en l'envoyant à Paris à 16 ans, pour qu'elle y apprenne les bonnes manières. Et pour l'épouser à son retour 4 ans plus tard, alors qu'elle était devenue une femme du monde. C'est ce couple singulier qui découvre le palais de Monaco et s'apprête à y rencontrer le prince souverain, à l'instigation de Maître Hainaut. Car pour le conseiller de la famille princière, François Blanc est l'homme de la situation. Madame Marie Blanc, Monsieur François Blanc. François Blanc est un homme d'affaires. Et le prince Charles III a quand même un certain sens de sa souveraineté. Donc chacun va essayer de défendre son secteur le plus possible. Donc le prince Charles III voudrait un casino, mais sans trop marquer le caractère prépondérant de cette institution. Hainaut, lui, cherche la bonne affaire, pas pour lui-même, parce qu'il est l'homme d'affaires de la princesse Caroline. Je crois que c'est dans cette atmosphère
que j'imagine s'est déroulé l'entretien qui va conduire finalement à la création de cette grande dame de Monte Carlo, la grande dame qu'est la SBM. Une nouvelle société, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, venait d'être créée. François et Marie Blanc en étaient les principaux actionnaires. Et pour le rachat de la concession, Blanc doit verser 1,5 million de francs or dans les caisses du palais. C'est un pari difficile pour cet homme d'affaires de 57 ans, déjà fatigué et de santé fragile. Car après avoir pleinement réussi à Hambourg, il doit désormais reprendre tous les chantiers laissés vacants par ses malheureux prédécesseurs et tout reconstruire. Dans le cahier des charges qui est imposé à François Blanc, il y a tout. Il y a tout, c'est-à-dire l'entretien des routes, la création des éclairages, tout ce que aujourd'hui fait un gouvernement à travers son département des travaux publics. Et François Blanc, qui a triomphé à Hambourg, est tellement certain de ce que j'appellerais familièrement son coup, qu'il accepte tout ce qu'on lui demande de faire. Il faudra que l'on parle de cet endroit comme une merveille et en faire un puissant moyen de publicité. Je pense que l'un et l'autre, lui le premier, a eu l'intuition qu'il pouvait faire quelque chose. Parce que, imaginez, bon, vous me dites les spéluques, c'était perdu, mais c'était une colline, il y avait des arbousiers, il y avait des oliviers. Ça devait sentir les genêts, c'était probablement sauvage, mais il y avait la mer avec un croissant de sable. Il a dû sentir qu'il y avait quelque chose à faire. C'était une scène de théâtre. Et je pense que l'un et l'autre se sont sentis metteurs en scène. Et plus peut-être Marie que François. Un immense chantier attend François Blanc, car sur ce plateau d'Espielugue, tout est à faire. Il n'y a ni route, ni habitation, ni villa. Et puis, avec surprise, François Blanc découvre ce que l'on appelait le casino, ou plutôt cette grande maison de style italien qui s'étend là face à la mer. François Blanc est inquiet, car il réalise que non seulement tout est à rénover, mais que tout est devenu urgent. C'est très clair. Il faut augmenter le fonds de roulement des jeux. Il faudra aussi engager des ingénieurs et de la manœuvre pour améliorer les routes d'accès. C'est vital. Il faut désenclaver cet endroit au plus vite. François, la princesse m'a demandé si nous pensions employer les ouvriers de la région sur nos futurs chantiers. Je lui ai dit oui, bien sûr. Nous verrons. On m'a dit que les Piémontais étaient moins chers et ils ont aussi la réputation d'être plus robustes à la tâche. Oui, mais mon ami, engageons-nous selon les volontés du prince. Il veut le bonheur de ses sujets, c'est louable. Après tout, notre entreprise est aussi la sienne. Oui, mais c'est mon argent. Les travaux débutent sans tarder. Blanc embauche plus d'un millier d'ouvriers. Les chantiers seront difficiles, périlleux parfois, car les terrains menacent de s'affaisser en permanence. Mais un an plus tard, les premières routes d'accès seront dégagées et aménagées. En même temps, Blanc relance le chantier abandonné du futur hôtel qui jouxte le casino. Baptisé Hôtel de Paris, il devra accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Cet hôtel doit être luxueux et pour son aménagement, Blanc juge indispensable de faire venir les meilleurs architectes de Paris. François et Marie vont faire appel à un architecte très connu à cette époque, Dutroux. Dutroux, dont la célébrité avait été faite par la construction du Palais de l'Industrie à Paris. Palais de l'Industrie, tout en verre et en fer, qui annonce déjà l'époque de Gustave Eiffel. Vous dites 1,2 million francs pour achever l'hôtel de Paris. Oh, du trou, votre popularité n'a plus de prix. Monsieur Blanc, l'hôtel de Paris sera l'égal du grand hôtel.
ou de l'hôtel du Louvre à Paris. Sa renommée ne tardera pas à s'étendre au monde entier. Et Madame Blanc a des idées grandioses pour sa décoration et son ameublement. Eh oui, mon ami. J'ai déjà passé commande du mobilier chez Janselme et de l'argenterie à la maison Christophe. Ce sont les plus grandes maisons de Paris, vous savez. Il nous faut bien cela pour satisfaire notre clientèle, non? Bien entendu. Songez à nos futurs invités. Le baron de Rothschild, le baron Haussmann, l'impératrice Eugénie, peut-être. Alors, Dutroux, cet hôtel, quand pensez-vous terminer les travaux? Nos premiers clients sont attendus d'un jour à l'autre. François Blanc, joueur, il ne pensait qu'au casino, au jeu. Aujourd'hui, on dirait de la logistique de l'entreprise Monaco. Tandis que Marie pensait tout à fait autre chose. Elle pensait à la décoration intérieure de l'hôtel de Paris. C'était un des premiers hôtels en Europe où il y avait des salles de bain dans chaque chambre. Parce qu'elle était femme. Elle pouvait imaginer comment une femme qui arrive dans le désert de Monaco après un long voyage de 4 jours, qu'est-ce que la première chose qu'elle veut faire? Elle veut prendre un bain. Petit à petit, elle a dû faire sa place très adroitement, très intelligemment. Moi, je vois bien François lui faisant part de ses projets, comme ça, au coin d'une cheminée, lui demandant son avis. Et Marie, au départ, lui donnait très tranquillement, très gentiment, puis petit à petit, prendre un petit peu plus d'influence. Alors, François, très agacé, peut-être très irrité, sortant peut-être de la pièce, un peu en colère, en lui disant « Marie, occupez-vous de votre ménage, occupez-vous de vos enfants et laissez-moi les affaires ». Puis je pense que le bon sens de Marie, son côté pratique, a dû le séduire. Puis il avait des problèmes, François. Et non seulement des problèmes de santé, mais il avait des problèmes avec, disons, l'administration. Il ne savait pas trop si son casino allait continuer, etc. Or, sa fortune était essentiellement une fortune de casino, une fortune... Il fallait des joueurs, il fallait que les gens viennent. Monsieur Blanc, j'ai des mauvaises nouvelles. Le casino tout entier menace de s'écrouler. Oui, les matériaux ont été mal choisis par les anciens concessionnaires. La construction d'ensemble a été mal pensée. Il nous faut tout revoir. Tenez, j'ai là les plans. Encore une fois, si la roulette s'arrête de tourner, c'est toute notre entreprise qui risque d'être compromise. Lancez les travaux sans délai, Dutroux. Crédit illimité. Rien ne lui était interdit. Vous savez, François Blanc avait la force de l'argent. C'est une force extraordinaire. Quand vous savez que les millions suivent, vous pouvez tout entreprendre. François Blanc disait à ses architectes et à ses administrateurs, dépensez, dépensez sans compter, on ne construit pas pour aujourd'hui. En substance, hein, on construit pour demain. Et il avait raison. Et il n'y avait pas d'appel d'offres, il n'y avait pas de devis. On présentait une facture, on payait, rubis sur l'ongle. Il était connu pour ça, il payait cash. François Blanc sait aussi qu'il a besoin de publicité pour attirer le monde jusqu'à Monaco. Il lance le tout nouveau journal de Monaco pour remplacer la feuille de chou locale et il en écrit lui-même les éditoriaux. Qu'est-ce que le savoir-faire sans le faire savoir, disait-il. Le journal de Monaco vante la douceur du climat, les merveilleux bains de mer si revigorants et l'accueil incomparable des installations hôtelières. Il s'est aussi fait un allié de M. de Villemezan, le directeur fondateur du journal Le Figaro. Comment s'en est-il fait un allié? Eh bien, il a offert à Villemezan 50 000 mètres carrés de terrain pour une somme dérisoire. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, le journal de Monaco et Le Figaro, mondialement connu, vont faire état qu'à Monaco, on peut faire des affaires extraordinaires en achetant des terrains, disons, pour rien. Et depuis la fenêtre de son palais, le prince Charles III observait attentivement les premières transformations du plateau des Spélugues, où un millier d'ouvriers monégasques, français et italiens, travaillaient sans relâche. Quant au petit port de Monaco, naguère si calme, les bateaux s'y croisaient désormais nuit et jour pour décharger leurs marchandises ou laisser descendre des visiteurs de plus en plus nombreux.
au tout début, on vient jouer à Monaco depuis Nice par la mer, quand la mer le permet. Mais François Blanc, et surtout le prince Charles III, traite avec la France pour l'arrivée rapide du chemin de fer à Monaco. Madame, monsieur, le comte Berthora. Grâce à Berthora, n'oublions pas que Berthora avait été le chef du cabinet secret de Napoléon III. Grâce à ces relations, François Blanc propose au Paris-Lyon Méditerranée d'acheter lui-même les terrains nécessaires à la fondation de la ligne du chemin de fer entre Nice et Monte-Carlo. Je viens de recevoir la dépêche que nous attendions de Paris. Vous serez reçu par le baron de Rothschild et le baron Haussmann au plus tôt. Mes jolis barons, voilà les deux éminences grises de l'empereur qui m'accordent enfin une audience. Bien, bien, j'ai bon espoir pour mon chemin de fer. Bravo, Berthora. Ils sont dans les meilleures dispositions. En contrepartie de quelques bonnes affaires que vous pourriez leur proposer ici, la ligne Paris-Lyon-Méditerranée sera prolongée, avec un arrêt à Monaco. Ouais, cette fois, c'est sûr, notre avenir se dégage. Bravo, Berthora. Et les travaux vont débuter. Ils seront périlleux aussi, nécessitant le percement de nombreux tunnels, la construction de ponts, de viaducs. Des milliers de tonnes de rochers sont arrachés à la montagne. Mais il n'y a pas de temps à perdre pour François Blanc. Car en même temps, une nouvelle difficulté a surgi. Les négociations pour l'achat des terrains entre Nice et Monaco sont âpres et difficiles. Spéculant sur les entreprises monégasques, les petits propriétaires ont vite flairé la bonne affaire. Jour après jour, les rails s'allongent. Et le 4 janvier 1868, le préfet des Alpes-Maritimes peut enfin inaugurer la ligne Paris-Monaco. La plus longue du moment, avec près de 1200 km de rails. Et très vite, le train pourra amener en principauté et sur le plateau des Spélugues des milliers de visiteurs heureux de pouvoir enfin se dégourdir les jambes tout en profitant du soleil. Et il faudra leur réserver le meilleur accueil. Je compte sur vous, ma bonne amie, comme toujours. Les idées ne manquent pas, très cher. Mais il nous faudra dépenser sans compter. Alors, aurai-je tous les crédits? Mais vous les avez déjà. Et Marie va imaginer l'embellissement du plateau des Spélugues. Elle crée des jardins, les futurs boulingrins dans le prolongement du casino. Fontaines, parterres de fleurs, arbres exotiques, palmiers, que l'on fait venir de Bordighera pour le plaisir des promeneurs. Puis, elle imagine un lieu de rencontre qu'elle situe en face de l'hôtel de Paris et qu'elle baptise le Café d'Yvan. Le Café d'Yvan, qui deviendra quelques années plus tard le Café de Paris. Salon de thé, salle de billard, parfumerie pour les dames, et bientôt les premières boutiques de luxe s'y installeront. Le futur Carré d'Or. Au fond, ça a été le premier drugstore de l'époque. Hein. On vendait des parfums, on vendait des cigarettes qu'on faisait venir d'Égypte pour les dames, parce qu'il fallait pas, les dames ne fumaient pas en public. Mais à Monaco, on pouvait, parce que c'était un peu un terrain interdit. On vendait des cigares pour les messieurs, ou on a dû vendre des petites bricoles, les journaux, surtout les journaux. Il fallait mettre tout sur place. Et ça, c'était Marie qui l'a créé vraiment la base commerciale de Monaco. Vous allez jouer si vous êtes pris dans un rêve, dans un monde à part. C'est un monde à part. Donc, ils ont parfaitement compris cela. Et lui a compris très vite que la publicité allait faire quelque chose, allait jouer un rôle énorme. C'était du marketing avant la lettre. Le quartier prenait vie. Bâti autour du centre névralgique, selon François Blanc, le casino. Le casino qui garantissait 80% des revenus de la principauté et où l'homme d'affaires avait installé les deux jeux rois du moment, le 30 et 40, et bien sûr, l'incontournable roulette. François Blanc était un passionné de jeu, sans être vraiment un joueur. Comme tous les directeurs des casinos l'ont été par la suite, il est un passionné de jeu. Il y a une anecdote d'ailleurs assez croustillante où François Blanc, voulant offrir une ombrelle à Marie Blanc et décidant que ce serait avec de l'argent gagné au casino, joue rapidement 1000 francs or et puis les perd. Et puis au fond, il était assez ravi. Parce que comme ça, il s'est dit, après tout, si on peut les perdre aussi vite,
c'est plutôt bon pour moi. Un rouge, un paire et passe. La roulette, comme tout jeu, ce sont des mathématiques. Le joueur a une chance sur 38 de gagner. Un 0, un double 0, et puis 36 numéros. En enlevant un double 0, François Blanc donne une chance sur 37. Il augmente les probabilités de gagner, le fait savoir dans la presse, des encarts sont publiés partout. À partir de là, la fortune du casino de Monte Carlo n'est pas étrangère à cette décision de supprimer ce double 0. C'est un gros coup de pub, mais François Blanc a toujours eu en tête cet axiome. Que ce soit le rouge ou le noir qui sorte, c'est toujours Blanc qui gagne. Tous ces éléments font qu'on décide de trouver un nouveau nom au plateau des Spélugues. On a pensé à divers noms, Charleville, Élisée Alberti. Puis quelqu'un a fait remarquer que Charleville existait. Et on a pensé à ce moment-là au Mont Charles. Mais le prince Charles III trouvait que c'était plus beau en italien, Monte Carlo. En hommage à vous, mon cher prince. Monte Carlo est un excellent choix. Les visiteurs y viennent déjà en nombre. Les bains affichent complet été comme hiver, les hôtels également. Et quant au casino, c'est le seul ouvert en Europe désormais. Vous aviez raison, Hénaud. Ce Blanc est vraiment à la hauteur de sa tâche. Ce monsieur Blanc était vraiment un visionnaire. Mmh. Justement, dites-moi, mon cher conseiller, d'après vos livres de comptes, cette société des bains de mer affiche de solides bénéfices maintenant, non ? C'est exact, monseigneur. Bien. Alors j'ai décidé qu'il est temps que tous mes sujets en profitent. Mais monseigneur, monsieur Blanc a fait venir l'eau à Monaco. Il y a construit une usine à gaz, mis en exploitation les chemins de fer. Et il a souvent engagé de nombreux monégasques. Reconnaissons qu'il a rempli votre cahier des charges en tout point. Je sais bien, Hénaud, je sais bien. Mais je veux davantage encore. Je souhaite resserrer les liens entre les monégasques et moi. Alors, j'ai décidé de supprimer toute forme d'impôt. Oui, les caisses de l'État se remplissent. Nous trouvons cette idée très appropriée à notre nouvelle situation. Et qu'en pensez-vous, mon cher conseiller ? Eh bien, c'est une idée révolutionnaire, monseigneur. La disposition est prise tout simplement parce que l'argent afflue dans les caisses. On a beaucoup d'argent et si on fait un bond en avant, on entend souvent parler, notamment en Italie, en France et ailleurs, de paradis fiscal à Monaco. Moi, je m'élève contre cette définition car un paradis fiscal est quelque chose qui est créé pour cela. C'est-à-dire qu'on va supprimer des impôts pour attirer des capitaux. Alors que là, c'est la démarche inverse. Il y a tellement d'argent dans les caisses monégasques que le prince décide qu'il s'en sortira très bien avec les seuls impôts indirects. Toute une ville était née, baptisée Monte Carlo. Monte Carlo avec ses jardins, son kiosque à musique, ses allées d'orangers et ses vastes terrasses dominant la mer. C'était désormais un lieu de villégiature très apprécié. Le nombre de visiteurs durant les saisons d'hiver passait de 20 000 à 300 000 en une seule année. Les chambres de l'hôtel de Paris étaient réservées longtemps à l'avance. La clientèle s'élargissait à l'Europe entière et même au-delà. Et les grandes fortunes commençaient à s'y intéresser. Bien évidemment, le succès entraîne les critiques. Et la presse ne s'en priva pas. Les journaux niçois commencèrent en traitant Monte Carlo de centre d'enfer, de lieu de perdition. En face à Gare de Nice, sur le toit d'un immeuble, le journal de Nice avait fait ériger des pendus en carton avec une inscription. Voilà ce qui vous attend à Monte Carlo. Peut-être parce que François ou Marie avaient oublié d'inviter le rédacteur en chef. Et puis, à Paris aussi, à la Chambre des députés, il ne se passait pas une seule séance sans qu'un député ne se lève pour dire « Messieurs, il faut que cesse le scandale de Monte Carlo. » Les gens de presse sont tous les mêmes. Ils promettent de bons articles, se font payer des terrains, des villas, et ne tiennent pas leurs promesses. Pourtant, nous avons payé cher des annonces dans la plupart de leurs journaux. Ces gens-là n'ont même pas la reconnaissance du ventre.
des petits primitifs qui commandent, qui dénaturent et qui s'acharnent à ridiculiser tout ce que nous entreprenons. Avec plus ou moins de méchanceté. Et d'esprit, d'ailleurs. Regardez, Villemessant et son Figaro. Ah, ça, il était moins virulent il y a 2 ans quand il m'a acheté un terrain à la Condamine pour un prix dérisoire. Et la belle villa qui s'y est fait construire grâce à moi. Un spéculateur comme les autres. Et aujourd'hui, un maître chanteur, un ingrat, un hypocrite qui crache dans la soupe. Oh, mon ami, calmez-vous. Vous prenez cela. Nous connaissons bien ces jalousies. Souvenez-vous des journaux de Hambourg, si hostiles à votre casino. C'étaient les mêmes qui délaissaient leurs plumes pour venir perdre leur louis d'or autour des tables de jeu. Faut-il vous le rappeler, madame, que nous avons dû fermer Hambourg à cause de ces pamphlétaires idéalistes. Espérons que cette vague de puritanisme n'atteigne pas le Sénat à Paris et surtout pas l'empereur. Le prince Charles, évidemment, regrettait beaucoup les campagnes de presse contre Monaco parce que pour lui, en fait, Monte-Carlo n'était qu'un moyen. C'était le moyen d'asseoir sa souveraineté, c'était le moyen d'imposer l'indépendance de la principauté par rapport au monde. Alors que pour François Blanc, c'était une affaire. Pour lui, c'était Monte-Carlo et ce n'était pas Monaco. L'un était le prince de Monaco, l'autre, je dirais, était entre guillemets le prince de Monte-Carlo. En 1870, une nouvelle épreuve attendait François Blanc. La guerre entre la France et la Prusse avait donné un coup d'arrêt brutal à l'essor de Monte-Carlo et considérablement compromis ses affaires. Trains mobilisés, familles déchirées, l'heure n'était plus aux distractions. Les hôtels et le casino étaient déserts. La chute de Napoléon III et les bouleversements politiques qui s'ensuivirent lui avaient fait perdre toutes ses relations. Ce fut pour François Blanc une période sombre et incertaine, qui dura presque 2 longues années. Mais une fois le calme revenu et la République française en marche, il eut bientôt l'occasion de renouer ses contacts. Après la guerre de 1870, François Blanc connaît, bien sûr, les difficultés qu'éprouve le gouvernement français et, en homme d'affaires avisé qu'il était, il pense tout de suite à aider financièrement ce gouvernement. François Blanc sait qu'en plein centre de Paris, il existe une énorme verrue, le chantier de l'Opéra, que le gouvernement français ne pouvait plus financer. François Blanc va tout simplement proposer au gouvernement de financer l'intégralité de l'emprunt pour pouvoir terminer les travaux de l'Opéra. Il est bien évident qu'à partir de cet instant, le gouvernement français pouvait difficilement refuser que les Jeux de Monaco continuent. Et Monte-Carlo put connaître à nouveau une période fastueuse. Pas une gazette de Londres, de New York ou de Paris ne manqua de rendre compte des événements de la principauté. C'était l'endroit où il fallait être vu. Tout le Gotha européen s'y donna donc rendez-vous, laissant chaque année plus de 5 millions de francs sur les tapis verts. Oui, à Monte-Carlo, on rencontre tous les héritiers de l'époque, d'Allemagne, de Russie, d'Italie, les Rothschild. Tous les grands noms du moment affluent à Monte-Carlo. Ce fut Albert-Édouard, prince de Galles, qui lança le signal de la ruée des royaux vers Monte-Carlo. Donc à sa suite vinrent le tsar Nicolas II, vint le Kaiser, vint l'empereur François-Joseph, et toutes ces têtes couronnées se retrouvaient à Monte-Carlo. La toute jeune République française en profita elle aussi, et joyeusement, oubliant bien vite ce qu'elle avait reproché au Second Empire, le faste, le luxe et le goût des dépenses. Ainsi, le commis voyageur de la République, Léon Gambetta, fut un des premiers à se rendre à Monte-Carlo, succédant à l'illustre Alexandre Dumas, et vite rejoint par Jules Verne, qui n'en perdit pas une miette. La beauté des lieux inspira également de nombreux musiciens comme Hector Berlioz, Jules Massenet ou Jacques Offenbach, alors en pleine gloire. Et l'auteur de pièces de théâtre Victorien Sardou y accompagnera Sarah Bernhardt, qui, entre 2 représentations, finira par perdre toute sa fortune à la table de roulette. On peut dire que Monte-Carlo devient rapidement le salon du monde, la capitale internationale,
du sport, du spectacle, des mondanités. Au point d'ailleurs que très vite, on oublie Monaco. Et on parle beaucoup plus de Monte-Carlo dans le monde que de Monaco. Dès lors, le couple blanc pouvait afficher en promenade une certaine fierté. Monte-Carlo était un succès. Mais comme la clientèle réclamait toujours plus de distractions, François Blanc imaginera bientôt de construire un tir au pigeon, toujours à proximité du casino, car il avait conscience que la chasse attirait la haute société. Le tir au pigeon, c'est elle. François en a eu l'idée, mais elle a envoyé son Dutroux, son architecte, hein, qui était un peu son âme damnée. Elle l'a envoyé à travers l'Europe pour qu'il repère tous les grands tirs au pigeon et qu'ici, à Monaco, on ait le plus beau. Parce que c'était le leitmotiv de François. Il fallait faire beau, il fallait faire élégant, parce qu'il fallait faire rêver. Parce que le joueur a besoin de rêver, il faut le couper de la réalité. À grand renfort de publicité, Blanc donna donc rendez-vous au meilleur tireur du monde sur un site exceptionnel, face à la mer. Et même s'il fut accusé par la presse de snobisme pigeonnier, ce fut là encore un immense succès. Nombre de personnalités s'affriolèrent pour cette nouvelle distraction. Et l'on put suivre Gustave Eiffel parier sur sa précision de tir avec Léon Gambetta, ou Georges Ier, roi de Grèce, damer le pion au nouveau président de la République française, le maréchal MacMahon. Pour toutes ces personnalités, tous ces gens qui venaient en principauté, il fallait des fêtes, il fallait des distractions. François et Marie, bien sûr, y pensent. Et Marie, avec peut-être toute plus d'imagination que François, va avoir l'idée de très nombreuses fêtes. Bertora avait une villa située au sommet des jardins actuels, les Boulingrins, et Marie en profite pour organiser des bals. On peut presque dire des grands bals de la Croix-Rouge avant la lettre. Toutes les personnalités y étaient bien sûr invitées fastueusement. Les plus belles femmes s'y rencontraient et Marie pouvait à cette occasion arborer ses plus beaux bijoux. Ici, à Monte-Carlo, ça a été l'explosion de tout un monde interlope, mais qui était inhérent à ce genre de société. Je veux dire, il y avait cette juxtaposition à la fois de grand raffinement, et puis on venait ici quand même pour, quelque part, s'amuser, hein, se dévergonder. Donc il y avait quand même une atmosphère sulfureuse, et Marie a su gommer cette atmosphère sulfureuse en pratiquant cet art de vivre qui perdure pour faire oublier les jeux. En tant qu'actionnaire principal de la Société des Bains de Mer, Marie Blanc disposait de fonds propres qu'elle utilisait comme bon lui semblait, notamment lorsqu'elle envisageait des dépenses qu'elle jugeait utiles contre l'avis de son mari. Ce fut le cas pour les caves de l'Hôtel de Paris, qu'elle fit construire sur le modèle des chais bordelais, directement sous l'hôtel. Un château qui est 1875. Les travaux furent faramineux et elles sont considérées, aujourd'hui encore, comme les plus belles caves du monde. Car Marie Blanc voulait le meilleur pour ses hôtes. Elle était intraitable à ce sujet. Et n'hésitez pas à faire office de superintendante, sans le contrôle de qui, rien ne pouvait se faire à Monte-Carlo. Elle en devenait peu à peu la patronne. Et c'est elle qui va essentiellement s'occuper de donner à cette ville qui est née, à cette ambiance qui se forme, de donner ce côté artistique, ce goût des belles choses. N'oublions pas que c'est elle qui avait soufflé à François Blanc de répéter sans arrêt que les plus belles choses du monde doivent se faire à Monte-Carlo. Et puis, en juillet 1877, alors que François Blanc était une fois de plus parti en Suisse pour y soigner ses bronches, oui, on apporta à Marie
la terrible nouvelle. Madame, un courrier de Suisse pour vous. Son mari venait de mourir, seul, loin d'elle, l'abandonnant à son chagrin. Et Marie mit longtemps à comprendre qu'elle ne le verrait plus. Son imagination, sa sagesse, ses attentions permanentes pour elle. Il lui avait tant appris, tant donné. À elle, la petite paysanne de Hambourg, qui était devenue la patronne de Monte-Carlo. Elle a appris beaucoup de choses de François Blanc et je crois qu'elle était la meilleure élève qu'on puisse imaginer. Il a été le protecteur et puis elle s'est un petit peu émancipée, puis un petit peu plus et puis tout à fait. Et donc ils ont eu une vie parallèle, certainement très aimante. Je pense qu'elle était très, très proche et très présente dans sa vie. Mais elle était devenue Marie Blanc, elle était devenue la patronne. Et à la mort de François, elle perd son appui vis-à-vis de cette société d'hommes parce qu'elle est, la seule femme dans une société d'hommes. Il faut bien le dire, elle a une démarche très contemporaine, très, très moderne. Et elle va se retrouver en butte à toutes sortes de pressions, très vraisemblablement, parce que Monaco, Monte-Carlo, ça a aiguisé beaucoup d'appétit. Tous les grands financiers, les grandes banques voudraient bien rentrer dans le capital et faire de la SBM leur chose. Tenez, faites porter cela aux intéressés. Qu'ils comprennent bien, tous ces grands noms de la finance, que je n'ai nul besoin de leur argent. Je me débrouillerai très bien sans eux. Madame, ce sont des propositions intéressantes. Mais ne faites pas cette tête, Bertora. Je sais ce que je fais. Certainement, je n'en doute pas. Seulement, il ne faudrait pas que... La roulette continuera de tourner, Bertora. Mais ce ne sera certainement pas pour enrichir tous ces banquiers spéculateurs. Je veux, moi... que cet endroit devienne le plus haut lieu artistique du monde, Bertora. Et je veux aussi que tout le monde le sache, car à présent, la patronne, c'est moi. Bien, madame, ce sera fait. Oui, qu'est-ce que c'est ? Madame, monsieur Charles Garnier. Oh. Vous voilà enfin, Garnier. Merci d'être venu aussi vite. Grâce au train, madame, grâce au train. Très bien, Garnier. Allons droit au fait. J'ai bien étudié votre proposition de construire un opéra ici, à Monte-Carlo. C'est une idée merveilleuse. Je suis séduite, Garnier. Séduite et flattée. Vous, un si grand architecte. Mais madame, comme tout le monde, je connais votre goût pour les arts lyriques, le théâtre, la musique. Vous êtes la directrice artistique du Tout Paris. Et de nombreux artistes veulent signer avec vous. Merci, Garnier. Et puis, madame, je n'oublierai jamais l'aide financière de Monsieur Blanc pour achever mon opéra à Paris. Je sais bien que sans lui... François avait su déceler en vous l'architecte de talent que vous êtes devenu, Garnier. Il avait raison, une fois de plus. Écoutez, j'ai décidé que nous allons détruire l'ancien casino pour en rebâtir un autre, avec une nouvelle salle de jeu et un opéra, comme à Paris. Monte Carlo doit avoir le plus beau théâtre du monde. Je m'y engage, madame. Et puis, je voudrais réaliser le rêve de François. Je veux dire, l'électricité, Garnier. On en parle de partout, comme d'une chose merveilleuse. Eh bien, je voudrais la voir jaillir à Monte Carlo. Vous êtes ingénieur, vous pouvez m'aider. Cela me paraît possible. Mais l'arrivée d'une telle invention... demande un coup. Je vais étudier un devis au plus vite, je vous le promets. Enfin, Garnier, un devis. Mais pourquoi faire ? Ce sont mes deniers personnels, je vous ouvre tous les crédits. Et Marie va oser ce que jamais François Blanc n'avait osé faire. Marie va arrêter les jeux, va les faire transporter dans la grande salle de l'Hôtel de Paris. Elle va imposer à Garnier un délai excessivement court, 6 mois. On n'a pas le temps de faire des plans, on n'a pas le temps de finasser. Donc on dessine, il dessine quelque chose et il impose son style Garnier.
Donc, pendant 6 mois, ça a été un chantier absolument incroyable. Hein. Garnier sautait d'un échafaudage à un autre. Il fallait... On a inventé des procédés pour faire sécher les plâtres, pour pouvoir dorer plus vite. Ça a été certainement une aventure extraordinaire. Et je vois bien Marie venir chaque matin sur le chantier, matin et soir, piquer les uns et les autres, en leur disant « Allez, 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 il ne faut pas perdre de temps », en disant « Vous avez besoin de 5 ouvriers, je vous en donne 10, vous avez besoin de ça, etc. etc. » Descendre au port pour réceptionner les ballots de rideaux, de velours, de passementerie, choisir, regarder, renvoyer, vérifier... Ça doit être extraordinaire. Et puis, préparer la soirée d'inauguration, faire les listes d'invitations. Ça a dû être... Je pense que ça a été l'aventure de sa vie. Ça a été l'acmé, ça a été le summum, ça a été l'apothéose, voilà. Et le 25 janvier 1879, l'opéra pourra être inauguré. Ce soir-là, un valet en livrée annonce une à une les personnalités et leurs titres. Cohorte de têtes couronnées, de courtisanes, d'hommes d'affaires, de banquiers, d'écrivains se pressent pour assister à la représentation. Se doutent-ils tous ces puissants que ce 25 janvier 1879 marque la naissance de la belle époque, son insouciante fantaisie, son élégance, son raffinement, consacrant le triomphe de la femme qui se libère enfin, à l'image de la grande Sarah Bernhardt, acclamée tant de fois à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est Marie Blanc qui comprend la première, car et je sont liés. D'abord parce que certains peuvent considérer que le jeu est un art, en tout cas de la manière dont il se pratique à Monte-Carlo. Il se pratique comme un art de vivre et un art en général. Et l'art est lié intimement, le spectacle est lié. À l'époque, ce sont les ballets russes, c'est l'opéra, c'est ce foisonnement intellectuel et artistique prodigieux avec Charles Garnier qui vient de construire l'opéra. Mais c'est une formule qui perdure toujours. Il n'y a pas à Las Vegas de casino qui ne soit accompagné de spectacles, même si les spectacles sont au goût du jour. C'est exactement la même démarche. Aujourd'hui, on retrouve systématiquement, que ce soit à Las Vegas, à Macao, à Londres, dans les grands endroits de jeu, dans les grandes capitales du jeu, on retrouve systématiquement cette volonté d'associer art, spectacle et jeu. Et c'est Marie Blanc la première qui l'avait compris. Mais en 1881, 4 ans après la mort de François, alors qu'elle travaillait jour et nuit à poursuivre l'œuvre de son mari, Marie Blanc s'éteint à son tour. Elle avait 47 ans, était devenue une des femmes les plus riches d'Europe et avait en tête de nombreux projets. Madame, votre liqueur. On la trouva morte à son bureau. Madame. Et sa dépouille fut transportée à Paris au cimetière du Père-Lachaise pour y reposer aux côtés de François Blanc. Au moment où Marie Blanc meurt, c'est un véritable empire qu'elle laisse derrière elle à ses successeurs. Un empire estimé à des dizaines de millions de francs or, des villas, des casinos, des hôtels, des palaces, somptueux. Et Marie Blanc, pour Monte-Carlo encore maintenant, c'est la légende, c'est celle qui a créé, avec François Blanc, celle qui a créé tout ce qui existe encore aujourd'hui. Ils ont créé un style... le style SBM, et en fait c'est pas tellement un style, c'est plus un genre, hein, qui est fait à la fois d'apparat, de richesse, mais vous savez, vous venez un matin sur la place du casino, hein, quand le soleil se lève, quand toutes les lumières sont adoucies, et vous ressentez quelque chose d'unique. Vous avez le sentiment d'être dans quelque chose de très raffiné, d'achevé. Et puis, si vous avez remarqué, vous avez visité le casino, vous avez visité l'opéra, vous avez visité l'hôtel de Paris, vous vous êtes promené à Monaco. Vous avez toujours les yeux en l'air. Vous regardez toujours vers le haut. Hein ? Vous ne regardez pas vers le bas, vous regardez vers le haut parce qu'il y a toujours quelque chose, un détail. Quelque chose. Et Marie, je pense, s'est attachée à ça.
Elle a sensibilisé les gens autour d'elle à cet art qui n'était pas un art de parvenu. On ne sent pas ici le parvenu. On sent un authentique style, un authentique genre, quelque chose qui est unique et qui vous parle. François et Marie-Blanc, dans leur projet somptueux, ont bénéficié d'une volonté du prince. Ils ont bénéficié de circonstances absolument exceptionnelles, comme on en retrouvera très très peu, où on a un prince qui est prêt à ouvrir sa principauté au monde et qui, en même temps, sait que chez ces deux aventuriers, entre guillemets, parce qu'il aurait pu les traiter simplement comme des aventuriers, il y a du génie. Et ce prince le voit, et cette histoire de cette création de Monte Carlo, c'est la volonté d'un prince, conjuguée à une histoire d'amour merveilleuse, féconde, fertile, qui va faire pousser hôtel, luxe, bienfaits, art, casino, jeu, art de vivre. Quelque part, l'occasion de Monte Carlo reste l'enfant de François et Marie Blanc, avec la bénédiction du prince. Le décor était créé pour le siècle à venir. Camille Blanc et le prince Albert Ier allaient poursuivre l'œuvre de leurs parents, mélangeant art, science, culture et manifestations sportives, été comme hiver, à Monte-Carlo. Car comme le disaient si souvent Marie et François Blanc, dépenser sans compter, on viendra à Monte-Carlo tant qu'on y trouvera les plaisirs et les plus belles choses du monde.